Bonsoir. Après 25 ans de renouveau démocratique, le Bénin est toujours en quête du renouveau économique. Le débat programmatique ouvert par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour cette présidentielle permet de donner la parole ce soir à Pascal Irénée Koukpaki. L'homme incarnait, aux yeux de bon nombre d'observateurs, la caution du gouvernement. Mais lui a préféré le destin de mécanicien en chef du garage Bénin. En 52 minutes, il va nous clarifier ce concept et exposer ses solutions. Pascal Irénée Koukpaki, bonsoir et bienvenue sur Moi, Président. Bonsoir, Monsieur Talon. Alors, j'animerai cet entretien avec Ogushina Koundé, qui d'entrée esquisse votre portrait. Makandjou Pascal Irénée Koukpaki a vu le jour le 1er mai 1951 à Cotonou, après une maîtrise en sciences économiques, planification, économétrie et statistique à l'Université nationale du Bénin. Il obtient en 1977 un diplôme d'études supérieures spécialisées en analyse des projets, puis un autre diplôme en banque, finance, monnaie et crédit au centre de formation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Il sera nommé plus tard dans cette banque économiste principal, puis assistant du gouverneur. Mais Makandjou Pascal Irénée Koukpaki est aussi l'homme des cabinets, d'abord directeur adjoint de cabinet du Premier ministre de la Côte d'Ivoire d'alors, Alassane Ouattara, puis directeur de cabinet du Premier ministre Adrien Oubedji entre 1996 et 1998. Mais après la démission du président du Parti du Renouveau démocratique du gouvernement de Kérékou, Makandjou Pascal Irénée Koukpaki retourne à la BCAO. En avril 2006, il est appelé par le président Boni Yayi pour occuper le poste de ministre des Finances, puis ministre d'État chargé de la prospective du développement, de l'évaluation des politiques publiques et de la coordination de l'action gouvernementale, avant d'être nommé en mai 2011 Premier ministre chargé de la coordination de l'action gouvernementale, de l'évaluation des politiques publiques, du programme de dénationalisation et du dialogue social. Il occupe cette fonction jusqu'en août 2013, date de son départ du gouvernement. Makandjou Pascal Irénée Koukpaki est candidat du rassemblement Nouvelle Conscience pour la présidentielle et sa vision est de bâtir ensemble le Bénin nouveau, le Bénin apprenant, entreprenant et innovant. Alors, Pascal Irénée Koukpaki, vous venez de suivre Koundé Ogushina. Est-ce que ce portrait vous convient? Oui, je vous remercie. Je pense que c'est un portrait qui a été bien tracé. Juste un rectificatif sur ma date de naissance. Ce n'est pas 1er mai 1951, mais bien 18 mai 1951. Je sais que sur certains documents qui circulent sur Internet, c'est indiqué 1er mai, mais on l'a toujours corrigé, mais ce n'est pas toujours bien pris en compte. On c'est bien le 18 mai 1951. D'accord. Sinon, alors, c'est Pascal Irénée Koukpaki, vous avez passé 7 ans, 4 mois au gouvernement du changement. Alors, comment est-ce que vous expliquez qu'après tout ce temps, vous ayez quitté et que vous prenez aujourd'hui la nouvelle conscience et on vous entend aussi parler de CFA et du but? Oui, j'ai eu une expérience de 7 ans, 4 mois auprès du président de la République et c'est vrai que le concept qui avait été développé à l'époque était celui du changement. Mais vous avez dû vous rendre compte que la politique du docteur Yayi Boni était bien lancée en 2006, mais que chemin faisant, il y a eu quelques problèmes. Je pense que c'est dû au fait que le concept du changement n'a pas été bien élaboré à travers peut-être la création d'une école du changement pour développer le concept et surtout pour le faire partager. Donc, il y a eu ce couac-là. Après, nous avons eu la refondation. Bon, ce fut la même chose. Et donc, tirant leçon de tout ce que j'ai vécu pendant cette année d'expérience de gestion des affaires publiques à ce niveau de responsabilité, j'ai développé le concept, moi, de la nouvelle conscience, qui n'est que l'incarnation des valeurs, parce que j'ai observé que le renouveau des valeurs qui devait compléter le renouveau économique et le renouveau démocratique n'était pas au rendez-vous. Donc, ce maillon manquait. Et par conséquent, lorsque j'ai trouvé qu'il était indispensable d'élaborer le concept de la nouvelle conscience, j'ai aussitôt créé l'école de la nouvelle conscience. Et dans cette école de la nouvelle conscience, il y a des formations qui se donnent
et pour pouvoir ancrer l'esprit de la nouvelle conscience dans le cœur des Béninois. Donc, j'ai tiré le son de cette expérience pour m'engager dans cette voie, et ce qui m'a donné l'opportunité de parcourir tout le territoire national. Pascal René Koupaki, combien de temps avez-vous mis pour comprendre qu'il y avait un chaînon manquant et qu'il fallait une école? Et est-ce qu'il vous manquait cette autorité ou ce pouvoir pour rectifier pendant que vous étiez au gouvernement? Faisons attention, faisons attention, parce que le chef de l'État, il est président de la République, chef de gouvernement. L'autorité administrative, c'est le chef de l'État. Évidemment, chaque ministre du gouvernement, nommé par lui, se trouve sur son front de lutte avec son décret organisant le ministère. Donc, j'étais dans mon rôle en tant que ministre du Développement d'abord, ministre d'État chargé de la coordination, etc., Premier ministre. Mais tant que le président de la République est en même temps chef de l'État et chef de gouvernement, la relation de confiance qu'il doit y avoir entre les ministres n'était pas forcément au rendez-vous. Par conséquent, chacun traitait directement avec le chef de l'État. Et donc, dans les ministères où je suis passé, vous pouvez le vérifier, ce que je dis comme incarnation de valeur, je l'ai imprimé. Donc, partout où je suis passé, j'ai imprimé cela. Mais écoutez, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Pourquoi il était si difficile que votre exemple fasse tache d'huile, fasse école au sein du gouvernement? Ben, ça dépend de comment vous êtes élu. Parce que tout le monde se plaint de la mauvaise gouvernance. Alors, donc, si tout le monde se plaint de la mauvaise gouvernance, c'est que tout le monde veut que la gouvernance change. Mais ça veut dire qu'il faut gouverner autrement. Mais pour gouverner autrement, ce que j'ai observé, c'est qu'il faut avoir été élu autrement. La manière dont on élit, la corruption électorale, vous impose des contraintes multiples, inimaginables. Donc, moi, j'étais dans mon rôle, les autres étaient dans leur rôle, eh bien, je ne pouvais pas toujours dire, puisque je n'étais pas chef de gouvernement, je ne pouvais pas imprimer ceci ou cela. Le chef de l'État, à l'époque, me disait de donner des exemples de ce que nous faisions comme modèle, etc. Bon, je partageais cela. Donc, tous les collègues qui s'adressaient à moi, je pense que vous n'en trouverez pas un aujourd'hui qui vous dirait que je n'ai pas été quelqu'un de coopératif. Et comment est-ce que vous vous sentez donc dans cette équipe? Ça, c'est une question de confiance. Parce que vous sentez réellement qu'il y a quelque chose qui manquait et que vous essayez d'imprimer au niveau de vos ministères. Vous savez, M. Talon, lorsque vous n'avez pas pratiqué le militantisme dans des formations politiques données, lorsque vous n'avez pas développé dès l'adolescence des relations de confiance, vous vous trouvez à un moment donné dans le cercle du pouvoir où il faut prendre des décisions concernant la nation. Vous pouvez jouer individuel, mais moi j'ai appris à jouer coopératif et collectif. Donc l'expérience acquise ailleurs, je l'ai mise au service du président de la République. Mais on vient d'horizons différents et le système partisan ne permet pas de dégager cette relation de confiance entre les hommes et les femmes pour être au service de la nation. Donc, c'est des choses que j'ai eu à découvrir. Mais quand on découvre, on en tire les leçons. Ça ne se passe pas comme cela ailleurs. Donc, voyez-vous, c'est en tirant les leçons de cela que je me suis engagé dans une voie civique, à savoir parler avec les Béninois de la nouvelle conscience, de cette incarnation de valeur. Et quand vous allez à l'intérieur du pays, mais les populations vous en parlent. Ils savent qu'en ville, on est indiscipliné. On n'aime pas la justice, on préfère l'injustice. La corruption, ils vous en parlent. Et à Kalalé, on m'a décrit, un paysan m'a décrit le phénomène de la corruption. C'est inimaginable ce que ce paysan l'a dit. Donc, c'est chemin faisant que face à l'adversité, vous développez des réactions d'analyse, en termes d'analyse, en termes d'approche, et c'est ce qui a donné la nouvelle conscience. D'accord. Pascal René Koupaki, nous allons essayer de voir comment est-ce que vous déclinez la nouvelle conscience dans votre projet de société au plan politique, économique et socio-culturel. Alors nous allons commencer par la politique et vous insistez pour parler de dialogue parce que vous avez et vous êtes convaincu qu'il faut des réformes institutionnelles, mais ces réformes institutionnelles doivent passer nécessairement par le consensus et un dialogue. Qu'est-ce que vous y mettez? Bien.
Rappelez-vous, en mai-juin 2011, on avait engagé la préparation d'un forum sur la gouvernance. Le professeur Albert Tevoedjre avait le leadership de cela. Le gouvernement avait marqué son accord. Mais pour une raison ou pour une autre non élucidée jusqu'à aujourd'hui, ce forum à la dernière minute a été reporté. Je pense que ce fut une erreur. Parce que les problèmes de gouvernance existaient déjà. J'en ai parlé dans des cercles restreints avec le chef de l'État et d'autres personnalités béninoises. Bon, donc, on a manqué cette occasion et vous avez vu par la suite que les problèmes de gouvernance se sont posés de façon cruciale. Alors, moi, je suis là pour tirer les leçons de tout ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que j'ai dit que, tirant leçon de cela, il nous faut bâtir un Bénin nouveau. Et ce Bénin est celui de l'unité et du travail. Parce que j'ai vu des failles dans l'unité nationale. J'ai vu de grandes failles. J'ai vu des failles dans nos mécanismes d'emploi et de travail. Par conséquent, le Bénin nouveau à construire, c'est le Bénin de l'unité et du travail. Ce que j'appelle le but que vise la nouvelle conscience. Mais au-delà de cela, j'ai vu le rôle que joue l'argent dans notre système politique. Les maux auxquels nous sommes confrontés, leur source principale, c'est l'argent. C'est inimaginable le rôle que joue l'argent. L'argent est devenu réellement un maître dans notre système, et particulièrement dans le processus électoral. Et c'est cela qui gouverne plus tard la qualité de la gouvernance. On ne peut pas vouloir d'une bonne gouvernance dans ce pays et faire jouer à l'argent le rôle que moi j'ai vu. Par conséquent, pour bâtir ensemble ce Bénin nouveau, il nous faut du courage, il nous faut la foi et il nous faut l'abnégation. C'est pour cela que dans nos slogans, vous le verrez plus tard, je dis le Bénin d'abord. Si le Bénin n'existe pas, mais nous, on ne serait pas là. Or, nous sommes là. Donc, il faut faire grandir le Bénin. Donc, quand j'ai, avec mes compagnons, on a défini un peu cette vision, j'ai aussi tiré leçon de ce que j'ai vécu. Oui, vous avez fait le diagnostic. Oui. Maintenant, comment est-ce que, quelle est la thérapie que vous allez appliquer, parlant du point de vue politique, après ce diagnostic-là, qu'est-ce que vous voulez, quelle solution vous apporter? C'est pour cela que je reviens sur l'idée de dialogue. Ça va se passer comment? Parce qu'un président qui est élu et que c'est après son élection qu'il faut un dialogue, est-ce que ça ne remet pas en cause ce sur quoi il est élu? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Dites-moi alors. Il est élu pour conduire la politique de la nation. Tout le monde sait que la gouvernance pose problème au Bénin. Tout le monde sait que le système partisan est en faillite et vous le constatez. Donc, on ne peut pas faire avec le système partisan actuel. Il faut le rebâtir, puisqu'il est en faillite. Alors, pour rebâtir ce système partisan, ce n'est pas l'esprit d'un seul homme qui va gouverner ça. Il faut que tous les Béninois se mettent ensemble. Et on a l'expérience d'une conférence nationale, la conférence nationale de 1990, et on peut faire un exercice de cette nature pour discuter entre Béninois, entre personnalités, entre les différentes classes socio-professionnelles de notre pays, discuter des contours de ce nouveau système partisan. C'est crucial. Vous avez vu, quel est le parti qui a présenté un candidat à l'élection présidentielle? Vous n'en avez pas réellement, à part FCBE. Et là, c'est une coalition de partis, une alliance de trois partis. Encore que FCBE n'est pas un parti. FCBE, c'est une coalition déjà de partis. Donc, c'est fondamental de tracer de nouvelles lignes pour le système partisan. Deuxièmement, nous parlons d'indépendance des institutions. Vous-même, vous avez vu. Est-ce qu'il y a réellement dans le fond une indépendance des institutions? Lorsqu'il y a des problèmes dans notre pays, c'est l'exécutif qui est toujours en tête. C'est comme si les institutions étaient martyrisées. Il faut les libérer. Est-ce que ça ne tient pas à leur donner l'indépendance appropriée. Au régime que nous avons choisi, c'est un régime présidentiel. Non. Qui fait que l'exécutif est souvent en première position. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons vécu une expérience. Les pères fondateurs de la Constitution sont encore là, pour la plupart. Nous devons nous asseoir pour tirer leçon de cela. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons raté une occasion, nous avons raté même deux occasions.
Le moment est venu en 2016. Les problèmes sont si profonds qu'un individu seul ne peut pas affronter cela. Ce n'est pas une fuite de responsabilité. Moi, je vois bien le danger. Donc, et j'attire l'attention de tout le monde là-dessus. Donc, le président qui arrive, il faut absolument qu'il fasse ce dialogue national. On a fait certaines options à la conférence nationale. Pour vous, aujourd'hui, ce n'est plus tenable. Il faut revoir tout ça. C'est vous qui donnez cette interprétation-là. C'est une question que je vous pose. Je n'ai pas encore dit qu'il faut revoir certaines options fondamentales. Je ne dis pas vous ça. Vous proposez une évaluation. Mais qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez une évaluation de ce qui est fait jusque-là. De ce que je dis, c'est évident. Il faut évaluer d'abord pour trouver. Il faut faire un bon diagnostic, donc évaluer pour trouver le nouveau chemin à engager. Mais moi, je sais qu'on ne peut pas faire avec 250 partis politiques parce que ça pose des problèmes de financement des activités politiques au Bénin. D'accord. Donc, vous faites le constat que nous avons beaucoup de partis politiques. Vous, quelles sont vos idées là-dessus? Est-ce que vous proposez qu'on revienne à 2, 3, 4, 5 partis? Qu'est-ce que vous proposez? Écoutez, ce sera péremptoire de le dire ainsi. Quand on a un problème national, chacun a ses idées, l'expérience est diversifiée, on s'assoit pour en discuter. C'est pour cela que je propose un dialogue national, pour obtenir un consensus. Vous n'irez pas dans un consensus avec des idées arrêtées. Mais vous mettez quelque chose sur la table en allant à ce dialogue. Ce que je mets sur la table, c'est qu'on ne peut pas avoir 250 partis politiques. Vous avez 12 courants philosophiques en matière politique dans le monde. Vous avez 6 à gauche, 6 à droite. Et donc, raisonnablement, déjà avoir 12 partis politiques, c'est la limite. Nous en avons 250. Et je vois les implications de cela en termes de définition de la vie politique, en termes de définition de la politique de la nation. Donc, il en faut bien moins. Deuxièmement, le financement des partis politiques pose problème au Bénin. Regardez ce qui se passe. Observez. Lorsque vous avez des idées au Bénin et que vous n'avez pas d'argent, quel est votre avenir? Lorsque vous êtes compétent au Bénin, vous avez de bons diplômes, vous êtes capable de faire des choses extraordinaires pour ce pays, vous n'avez pas d'argent, le pays perd. Et donc, on doit donner des chances à tout le monde et par conséquent, ce qui doit gouverner, ce n'est pas l'argent, mais c'est le courage, la foi et l'abnégation. Allons à ce dialogue-là, mettons ça sur la table, mais on ne peut pas faire avec le système partisan actuel. Comment est-ce que vous concevez le financement des partis politiques ou bien vous attendez que ce soit débattu et arrêté lors de ce dialogue? D'abord, on a des idées. Puisque je suis dans le cas. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je ne bénéficie pas de soutien de l'État en quoi que ce soit. Je ne bénéficie pas de soutien de grands hommes d'affaires, mais parce que vous les voyez tous, mais je bénéficie de soutien de bienfaiteurs individuels qui croient en moi, qui ont vu que le projet que nous sommes en train de porter est un projet qui peut sortir notre pays de l'ornière. C'est un projet qui peut nous amener à réviser pas mal de choses concernant nos propres comportements, puisque nos comportements sont dictés par nos motivations. Si nos motivations sont financières, et bien entendu, nos comportements sont calés. Vous savez combien ça coûte le poste d'un directeur général au Bénin? Dites-nous. Je ne vais pas vous le dire. Vous êtes des journalistes d'investigation, vous chercherez, vous trouverez. Je veux tout simplement dire que l'argent est le principal mal de notre pays. Mais vous pensez vous gouverner sans l'argent, parce qu'il faut quand même de l'argent pour faire. Mais je vous ai dit qu'il y a des bienfaiteurs individuels. Et j'ai dit ceci à mes compagnons. Désintéressé, c'est bienfaiteur individuel? Ah oui, je vais vous dire pourquoi c'est désintéressé. Lorsque on vous propose un budget de campagne de 20 milliards de francs CFA, ben, vous dites aux gens, à tout le monde, que ce n'est pas possible de le faire. C'est la première chose. Mais de 20 milliards, vous tombez à 10 milliards. Parce que vous avez un minimum de rigueur dans le traitement des choses. De 10 milliards, vous tombez à 7 milliards. De 7 milliards, vous tombez à 2 milliards et demi. Nous, on fera avec 2 milliards et demi. Donc 2 milliards et demi, c'est votre budget de campagne. C'est notre budget de campagne et c'est ce que nous avons envoyé à la Cour suprême comme prévision de dépenses. Nous avons fait beaucoup de choses sur la base de volontariat. Parce que les idées à développer pour concevoir tout ce que nous avons conçu, ben on n'a pas besoin d'argent pour ça. D'accord. Pascal Irénée Koupaki, on a bien compris cet aspect. Maintenant, on voudrait savoir comment est-ce que vous, une fois président,
vous pensez assainir les finances publiques, puisqu'on en parle, parmi les réformes, on parle de l'assainissement des finances publiques. Vous avez été ministre des Finances au Bénin. Et comment est-ce que vous pensez faire? Bon, d'abord sur le plan politique, hein, bon, je crois que le système partisan nous a pris beaucoup de temps, mais je vous indique aussi que dans le rayon politique, la gouvernance judiciaire est fondamentale. La justice. La justice, c'est important. Oui. Et que nos propositions touchent aussi cet aspect-là pour renforcer l'indépendance de la justice. Alors, quelles sont vos propositions? Les idées fortes? Mais les idées fortes, c'est que, premièrement, le Conseil supérieur de la magistrature doit être revu dans sa structuration, complètement. La façon de nommer le président de la Cour suprême doit être revue. Nous voulons des institutions fortes, par conséquent, moins d'ingérence dans les nominations. Ce serait déjà le début de la sagesse du pouvoir exécutif et d'autres idées. Prenez par exemple l'armée. Mais les forces de défense et de sécurité ont besoin d'un renforcement extraordinaire. Vous connaissez les périls qu'il y a autour de nous. Nous ne devons pas... moral, matériel, humain. Moral, évident. Matériel, évident. Infrastructurel, évident. Bon, par conséquent, même le mode de recrutement doit être revu. Et donc, parce que l'armée est à la disposition de la nation, ce qui importe, ce n'est pas l'origine des uns et des autres, mais ce qui importe, c'est le caractère citoyen de l'homme béninois qui doit gérer les forces de défense et de sécurité. Donc, il y a un ensemble de dispositions que nous envisageons. Évidemment, dans le cadre d'une émission comme ceci, nous ne pouvons pas toucher tous les aspects. Est-ce que d'un mot, vous pourrez nous dire votre idée générale sur la plupart des institutions où aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui nomme les présidents, la Cour suprême? Tout cela sera revu, de mon point de vue. Tout cela sera revu. Parce que tant qu'on ne revoit pas cela, alors à ce moment-là, l'allégeance devient un geste normal. Or, vous ne pouvez pas être dans un système d'allégeance et renforcer une institution. Donc, il y a des propositions sur lesquelles on viendra avec mes amis au cours d'autres émissions. Au niveau de la réforme administrative, puisque nous venons de parler de la réforme constitutionnelle, vous avez tout à l'heure évoqué la qualité de la gouvernance, de l'éthique. Il y a un certain nombre de tares que notre administration continue de véhiculer. Comment est-ce que vous allez travailler pour que l'administration soit au service du développement? Mais j'ai des exemples. J'ai des exemples. Je suis arrivé en 2006 comme ministre du développement de l'économie et des finances. Vous savez que la situation économique et financière en 2006 n'était pas bonne. Je suis arrivé dans ce ministère. Le premier jour, premier contact avec les cadres, je leur ai dit que je les maintiens à leur poste. Mais ils ont été nommés par le ministère Klein avant mon arrivée. Mais je ne les ai pas enlevés. Quand j'ai vu les profils, ils avaient le profil du métier. Donc je les ai maintenus à leur poste. Mais c'est avec ces collaborateurs que nous avons redressé les finances publiques de notre pays en 8 mois au lieu de 2 ans. Le chef de l'État m'a donné 2 ans pour redresser les finances publiques, mais j'ai fait ça en 8 mois, avec les mêmes cadres. Ça veut dire que la tête, c'est important. L'exemple, c'est important. Le modèle. Donc, moi, je suis convaincu, puisque j'ai fait beaucoup de ministères, que nous avons des ressources humaines puissantes dans notre pays, il faut les mettre là où il faut. Or, entre-temps, on a développé la médiocratie, alors que pour que l'administration soit une administration de développement, ben, il faut développer la méritocratie. Donc, les ressources sont là, il faut les affecter de façon efficiente, et c'est pour cela qu'il y a un décret qui organise les fonctions. Il y a les fonctions techniques, il y a les fonctions politiques. Le décret existe, il faut l'appliquer. Et les règles d'application ne sont pas des règles sorcières. On les connaît, il faut les appliquer. C'est pour cela que le système partisan doit être revu pour ne pas amener le gouvernant à être confronté à ce que j'ai vu. Pour qu'il y ait méritocratie. Il y a trop de pression, oui. Pour qu'il y ait méritocratie, comme vous le dites, il faut lutter contre la corruption dans nos administrations. Mais je vous ai dit que le mal profond ou les maux profonds de notre pays, c'est le rôle de l'argent. Et le rôle de l'argent commence en politique. C'est ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu. Et je veux que ça s'arrête. Parce qu'il faut donner la chance aux Béninois qui ont l'esprit, qui ont des idées, qui ont des projets. Il faut leur donner la chance de laisser exploser leurs talents. Or, la nouvelle conscience vous permet de faire exploser ces talents. Donc, moi, je ne vois pas de difficultés extraordinaires au Bénin. On a besoin d'exemples. Et il y en a dans ce pays.
Il faut les sortir. Et vous voulez vous offrir un exemple. Et donc, pour ça, vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2016. Et nous allons vous demander de bien vouloir présenter aux téléspectateurs béninois votre logo et votre positionnement sur le bulletin unique. Bien, merci beaucoup. Mon logo est celui-ci. C'est mon portrait. Bon, vous me reprochez de ne jamais sourire. Pour une fois, je souris quand même. Et puis, ce symbole du Rassemblement Nouvelle Conscience représente la société traditionnelle qu'il faut respecter parce qu'il y a un pouvoir traditionnel au Bénin. Je suis chef traditionnel moi-même. Et au-dessus de ce siège traditionnel, vous avez le globe et le soleil, le globe terrestre et le soleil en jaune. Et à l'intérieur, vous avez la carte de notre pays, couverte un peu par deux plumes en sautoir. Et ça veut dire que tous les fils et filles du Bénin doivent protéger notre pays, le Bénin d'abord. Et donc, je peux dire ça en fond, l'oiseau grandit dans son plumage, « Refumewe, Renosule ». Donc, si tous les Béninois sont unis, si tous sont unis, et si tous sont déterminés à travailler, alors le Bénin grandira. Donc, c'est le logo. La couleur jaune, c'est une couleur de sagesse, une couleur de prospérité, une couleur d'abondance, et je l'ai tiré de notre hymne national. Alors, comment est-ce qu'on peut vous repérer sur le bulletin unique? Alors, je suis dans le premier tiers. Si vous prenez le bulletin unique, il y a un premier tiers de candidats, un deuxième tiers, et un troisième tiers. Je suis dans le premier tiers, en bas. C'est la couleur jaune qui est la couleur dominante de ce bulletin. Et vous voyez, je suis le dernier sur cette ligne-là, mais je serai premier. D'accord. Merci Pascal René Koupaki. Nous allons maintenant aborder le volet économique. Et quand on parcourt votre projet de société, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez donc de la réforme de processus de décentralisation et vous dites qu'il serait bien de parvenir à un développement équilibré du territoire en passant de territoire réceptacle au territoire acteur. Qu'est-ce que vous y mettez? Territoire réceptacle et territoire acteur. J'ai circulé dans tout le pays. Je connais les routes du Bénin. Je ne connais pas encore les 5290 villages, mais j'en connais pas mal. J'ai été au contact des populations. J'ai entendu ce que les populations ont dit. Je sais comment on fonctionne depuis la capitale économique. Je sais comment l'administration est gérée. Et je me dis, ah non, la façon dont on gère le développement économique depuis Cotonou, c'est la meilleure façon d'aggraver la pauvreté. Parce que ceux que nous sommes censés sortir de la pauvreté n'ont pas d'administration de proximité. La décentralisation, la loi sur la décentralisation et la déconcentration n'est pas appliquée. Le transfert des ressources humaines n'a pas lieu. Le transfert des ressources financières est limité. Je sais, puisque j'ai vu certains villages réaliser des salles de classe à 4 millions de francs CFA. Depuis Cotonou, on réalise des salles de classe à 11 millions de francs CFA. Donc, je vois la déperdition des ressources. Un gap de 7 millions. Oui. Je vois la déperdition des ressources lorsqu'on gère les problèmes à distance, particulièrement les problèmes de développement. Donc, il faut rapprocher l'administration des administrés. Il faut des emplois de proximité. Et toutes nos régions au Bénin sont des zones économiques viables à potentialité économique extraordinaire. Et donc, il faut que le développement à la base soit désormais une réalité, appuyée par la mise en œuvre de la loi sur la décentralisation et la déconcentration. Donc, le développement du Bénin ne viendra pas de la ville vers les villages, mais le développement du Bénin partira des villages pour la ville. C'est un constat sur le terrain. Alors, à partir de là, je dis, nous n'avons pas besoin d'un territoire réceptacle, nous avons besoin d'un territoire acteur. Et je vous garantis que il y a des projets de construction économique dans nos villages. Les gens vous en parlent.
mais les réaliser depuis Cotonou, ce n'est pas possible. Donc, j'ai imaginé avec mes amis ce que nous appelons la vitalisation du territoire communal. Elle consiste en quoi? Elle consiste à l'animation de tout territoire communal. C'est-à-dire, tout ce que vous trouvez à Cotonou, vous devez pouvoir trouver ça dans n'importe quelle commune du Bénin à l'échelle de cette commune-là. Par exemple, vous avez des problèmes économiques dans toutes les communes du Bénin. Eh bien, si vous avez des problèmes économiques dans la commune de Boïcon, alors il faut voir avec le maire de Boïcon, les élus locaux à Boïcon, les associations de développement de la commune de Boïcon, parce qu'il y a des associations de développement par arrondissement. Vous avez le comité des sages, le comité des jeunes, etc. Mais vous les retrouvez autour du projet de développement de cette commune. C'est défini, c'est approuvé par l'administration locale et c'est approuvé par l'administration de l'État. Alors, ça mise en œuvre. Mais vous n'allez pas rester à Cotonou et envoyer les ressources. Pour que ces ressources fassent escale, avant d'arriver à Boïcon, eh bien, il y a des déperditions. Je dis ceci. Dans chaque département du Bénin, nous devons avoir la direction départementale du budget, la direction départementale des marchés publics, la direction départementale du contrôle financier, la direction départementale du contrôle... Des corps de contrôle de l'État. Corps de contrôle de l'État. Vous avez tout cela dans le chef-lieu de département. Les ressources viendront directement, sans transition, au niveau du département. Et le préfet jouera à ce moment-là un grand rôle. Vous ne le verrez plus dans les meetings, ce n'est pas son travail, ce n'est pas le travail du préfet. Vous verrez le préfet en train de gérer l'administration du territoire départemental. Mais il y a des réformes. Au niveau des préfectures, des délégués du contrôleur financier qui sont là, qui apportent un certain nombre. Ce n'est pas un délégué qui va faire le travail dont je parle. Vous savez, nous allons transférer aux communes, sur 4 ans, 25% du budget de l'État. Ça fait 400 milliards de francs CFA. On en est à combien actuellement? On en est à 40, maximum de transfert de ressources. Vous voyez la multiplication? À travers le FADEC? Non, indépendamment du FADEC. 4%. Le FADEC et tout ce qui va dans les communes aujourd'hui, c'est un peu moins de 4%, un peu moins de 40 milliards. Je dis, en appliquant la loi sur la décentralisation et la déconcentration, en rapprochant l'administration des administrés, en créant des poches d'unités économiques locales et en injectant de ressources, non pas à partir de la ville, mais directement dans le département, vous créez les conditions de prise en charge du développement à la base par la communauté communale. D'accord. Et ça fait à peu près de 300 milliards par an, si je ne me trompe. Ça fera, mettons, 380 milliards. Voilà. Maintenant, comment mobiliser ces ressources et puis passer de 4% à 20-25%, c'est un gap. Et c'est sûr que ça veut dire que vous délestez d'autres secteurs. Comment mobiliser ces fonds? Non, on ne déleste pas d'autres secteurs. D'accord. Vous savez, tout ce qui est géré depuis Cotonou sera géré depuis le département et la commune. Donc, il s'agit de transférer les ressources et de transférer les compétences. Je vous dis que si la volonté politique s'exerce sur ce chantier-là, vous transformez le Bénin en 5 ans. Oui, d'accord. On a besoin de l'argent pour faire. Comment vous mobilisez ces ressources? Mais l'argent qui est disponible maintenant, c'est une nouvelle affectation des ressources. D'accord. Donc, c'est pas un surplus. Non, ce n'est pas un surplus. C'est une nouvelle affectation des ressources. D'abord ça. Mais quand je dis 25% du budget national, ce n'est pas 25% fixe en milliards de francs CFA. C'est sur la base de ce qui existe actuellement comme budget. Ce sera 380 milliards. Vous pouvez arrondir à 400 milliards. Mais au fur et à mesure que le budget va augmenter, les 25% en termes de milliards augmenteront. Donc, ce n'est pas figé 380 milliards ou 400 milliards. Indépendamment de cela, j'ai dit tantôt que... Il y a des unités économiques villageoises qui existent dans les communes. Elles ont besoin de financement. Alors, je dis, pour faciliter le financement des projets au niveau de la commune, alors l'État transférera indépendamment des autres ressources 1 milliard de francs CFA par commune. Il faut créer des entreprises. Ah, exactement. Bon, le miel, c'est le milliard
économique locale, en abrégé, le MIEL. Je vous remercie d'avoir bien lu le projet de société pour m'interroger aussi finement. Donc, 1 milliard au titre du MIEL, milliard économique local à chaque commune. Il y a des talents dans nos communes. Il y en a dans les villages. On ne peut pas rester en ville à Cotonou et penser le développement du village de Tchoumitchoumi depuis Cotonou. C'est complètement faux. Nous avons trompé les populations. Et donc, sur la base de ce que j'ai vécu, des échanges que j'ai eus avec les populations, la première rupture ou la deuxième rupture en dehors du système partisan viendra de cela. Le développement à la base reviendra à la base. Bien entendu, il y a l'assistance conseil de l'État pour aider les communes qui n'ont pas les compétences professionnelles requises dans l'élaboration de leur plan de développement. Donc, etc. Vous préconisez un développement équilibré du territoire. On en arrivera là, au développement équilibré du territoire à partir de la base. Maintenant, il y a les grandes infrastructures qui ne relèvent pas d'une commune. Les grandes infrastructures du Bénin continueront d'être prises en charge par l'État. Qu'est-ce qu'un État a à chercher dans le marché d'Antopa? Il y a autre chose à faire. Donc, les infrastructures marchandes seront gérées par les communes. Est-ce que vous voulez dire qu'avec vous, le marché d'Antopa sera transféré plutôt à la commune de Cotonou? C'est ce que vous voulez dire? L'État n'a rien à voir au marché d'Antopa. Donc, vous transférez le marché d'Antokpa. L'État n'a rien à voir au marché d'Antokpa. D'accord. Donc, d'Antokpa sort du giron de l'État au profit de la commune de Cotonou, Dites ça sous toutes les formes, mais je vous répète que l'État n'a rien à voir au marché d'Antokpa. On va sortir du marché d'Antokpa pour aller en milieu rural. Vous savez que l'agriculture occupe bon nombre de nos concitoyens. Quelles sont vos idées fortes sur ce secteur-là? Nous avons pensé pendant longtemps qu'en mettant en œuvre des projets agricoles administrés par le ministère de l'Agriculture, on allait impulser le développement agricole du Bénin. C'est faux. C'est faux. Voyez-vous ce qui se passe? Regardez tous les projets gérés par le gouvernement. Regardez leur impact sur le terrain. L'impact, c'est la dégradation de la fertilité des sols. L'impact, c'est l'environnement. C'est notre exposition au changement climatique. Et donc, par conséquent, il faut revoir tout cela. Mais vous êtes un peu pressé. Le temps tourne malheureusement. Le temps tourne malheureusement, mais ce n'est pas moi qui pose la question. C'est vous qui posez la question. D'accord, donc, s'il y en a moins, on ira peut-être plus vite. Allez-y. Et donc, pour faire court, puisque vous me pressez, pour faire court, les projets de développement agricole seront pris en charge par des agences de développement agricole. J'ai dit que nous avons 8 zones économiques au Bénin. Ça ne me gêne pas du tout d'avoir une agence de développement de la vallée du Mono. Ça ne me gêne pas du tout d'avoir... Donc, 8 agences de développement. J'ai dit qu'il y a 8 zones. Vous savez qu'il y a des cadres présentement. Nous n'allons pas superposer des structures, mais nous allons rationaliser les structures. Quelle sera la relation entre l'agence de développement que nous envisageons et les CARDER? C'est quand on aura le pouvoir exécutif qu'on évaluera le rôle des CARDER. Je sais que sur les papiers, les CARDER doivent jouer un rôle, mais je suis passé dans les départements. Je ne vois pas ce rôle-là. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Et les agriculteurs en parlent. Discutez avec les paysans. Ils vous diront qu'il y en a même un qui m'a dit, j'ai été sidéré. Il m'a dit ceci. À quoi sert le ministère de l'Agriculture? Et je lui réponds, mais si vous posez cette question, puisque le ministère de l'Agriculture existe partout, c'est que vous reprochez un certain nombre de choses. Mais il m'a parlé. Moi, je sais que ce qu'il a dit est juste. Je dis, mais quelle conclusion vous tirez de cela? Il me dit, le ministère de l'Agriculture est là pour nous tuer. Et si nous, on se fâche, est-ce que vous allez manger en ville? Ça veut dire que le paysan sent bien qu'il y a un problème. Et nous devons donner des réponses à cela. On ne fera pas sans les associations professionnelles du monde agricole. Et j'ai vu des compétences là-bas, j'ai vu des agronomes dans le monde rural. Et donc, il s'agit
de recadrer l'action de l'État et de laisser encore une fois s'exploser les talents de ces messieurs. À travers les agences. À travers les agences, à travers l'organisation des structures d'encadrement et l'organisation de leurs associations professionnelles. Quelquefois, les producteurs manquent de moyens financiers pour entreprendre. Eh bien, écoutez, je dis que dans les communes, il y a des ressources qui vont y aller. Il y a le milliard culturel. Il y a le milliard économique local. Et donc, certains ont même demandé, je l'ai accepté, l'idée d'un fonds communal de microfinance pour ne pas dépendre de Cotonou. Donc, ils ont des idées. Quand on veut développer un pays, il faut écouter les acteurs de développement. Je les ai écoutés et je peux même vous dire que le projet de société que nous avons élaboré, ce n'est pas le projet de société de Pascal Koupaki, c'est le projet de société du peuple que j'ai visité parce que j'ai beaucoup tenu compte de leurs idées là-dessus. Donc, le monde agricole se prendra en charge avec l'appui de l'État, appui conseil, appui en financement. Et l'idée de la Banque nationale de l'agriculture a été développée dans le monde paysan. D'accord. Et donc, on va réorienter. Bon, je sais qu'on est en train de mettre en place un fonds national de développement agricole, mais je suis disposé dans l'esprit à revoir cela et à trouver un mécanisme de financement bancaire approprié. Mais nous n'allons pas répéter l'expérience de la CNCA au Bénin, non. Qu'en est-il de la transformation sur place de ces produits? Eh bien, ça aussi, c'est l'agro-industrie. Vous savez, nous avons construit, le gouvernement a construit des unités de transformation. Je suis passé dans certaines unités de transformation. Non, ce n'est pas ça. Et peut-être que, certainement, que ça n'a pas été bien pensé avec les acteurs. Et donc, voilà des projets qui sont là. Il faut les évaluer, il faut les achever et il faut les mettre en exercice. Et c'est possible de le faire. Il faut concentrer l'effort sur le développement à la base. Il faut être certain que le développement à la base, c'est avec l'administration de proximité et on y arrivera. D'accord. Il faut faire le développement avec les acteurs de proximité, mais les autres acteurs du développement aussi, ce sont les partenaires sociaux. Et à un moment donné de votre parcours au niveau du gouvernement, vous avez eu à gérer donc, le dialogue social, mais on a constaté que ce dialogue n'a pas si bien marché au Bénin ces dernières années. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'il y ait cet apaisement sur le front social une fois que vous serez président? Mais oui, c'est vrai. La situation sociale n'est pas bien apaisée. Je crois que dans les conditions d'un dialogue efficace, on retrouve le respect mutuel. C'est une règle de base. Je dois respecter les syndicats. Les syndicats doivent respecter l'autorité. C'est primordial. Dans ce que j'ai fait avec eux, on a observé ce principe directeur fondamental. Deuxième chose, lorsqu'on est en concertation, il nous faut absolument être des hommes de vérité. On ne construit pas une nation sur une fondation de mensonges. Moi, je dis la vérité aux syndicats. Les syndicats me disent la vérité aussi. Vous pensez avoir réussi? Je ne me juge pas. Je ne me juge pas. Je ne juge pas mon action. Mais il appartient aux syndicats de juger. Mais ce que je dis, c'est que nous avons eu d'excellentes relations de travail. Et ça, c'est important. On n'a pas toujours trouvé les solutions idoines à tous les problèmes évoqués, mais il est indispensable qu'on s'écoute. C'est le minimum. On s'est écouté, on s'est compris sur un certain nombre de choses. D'autres chantiers restent ouverts et je pense que le gouvernement actuel est en train de travailler puisqu'il y a un apaisement sur le front social. D'accord. Mais les mécanismes de dialogue doivent aussi comprendre des aspects de prévention. N'attendons pas toujours... Une action majeure que vous allez déployer, si vous étiez élu président dans ce domaine, quelle serait cette idée? D'abord, le cadre du dialogue. Le cadre du dialogue est exposer aux partenaires sociaux, même en temps de paix, les problèmes de la nation. Je vois bien une rencontre trimestrielle. C'était déjà prévu, mais pour des contingences particulières, la régularité n'a pas été observée. Pascal, je dis qu'il faut observer cette régularité. Pascal Ivonne-Koupaki, l'école béninoise, comment est-ce que vous faites pour que cette école puisse
vraiment coïncider et traduit votre idée de nouvelle conscience et redonner confiance aux acteurs. L'école béninoise n'est pas la nôtre. L'école que je vois n'est pas la nôtre. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? C'est une autre école. Eh bien, il faut revoir complètement le système éducatif au Bénin. Écoutez, pourquoi j'ai dit le Bénin apprenant? Ce n'est pas du hasard. Qui enseigne les savoirs endogènes au Bénin? Il y a des savoirs endogènes dans notre pays. C'est notre culture, ça. Mais ça ne s'enseigne pas. Mais le développement a pour fondation l'éthique et la culture. Nous avons banalisé l'éthique. Voilà là où nous en sommes. Nous avons presque banalisé la culture. Voilà où nous en sommes. Quelle est notre langue de travail? Quelle sera la forme de l'école? Le Bénin apprenant, tout le monde à l'école. Ce n'est pas seulement les enfants à l'école. Vous aussi à l'école, moi aussi à l'école. À l'école de la nouvelle conscience? L'école du Bénin nouveau. Pourquoi? Un peuple ne développe pas un autre peuple. Un peuple ne se développe pas avec la langue d'un autre peuple. Observez tous les pays développés. Il faut introduire les langues nationales à l'école. Ce n'est pas une introduction de langue nationale. C'est le savoir dans les langues nationales. D'accord. C'est fondamental. Il faut laisser tomber l'idée d'alphabétisation. Non. Il faut apprendre le fond. Il faut apprendre à l'écrire. Il faut apprendre à le parler. Il faut apprendre à le lire. Moi, je ne sais pas lire le fond. C'est maintenant que j'ai commencé. Je ne sais pas l'écrire. C'est maintenant que j'ai commencé. C'est pour ça, de fondant sur ce que j'ai vu, je trouve que les bases culturelles de notre développement doivent être renforcées et le système éducatif doit être recadré pour en tenir compte. Donc, faisons attention. Le développement, la conscience et la science, la paix et la culture, ces cinq piliers fondamentaux du Bénin apprenant. Donc, il faut revoir le système éducatif en conséquence. Très rapidement, une question toujours par rapport à l'école. Les écoles privées ont toujours souffert du manque de l'appui de l'État, alors que ces écoles quand même contribuent beaucoup pour ce qu'on sait dans le système éducatif. Qu'est-ce que vous, Pascal René Koupaki, une fois président, vous pourriez faire? Vous avez raison. Il y a les écoles privées qui sont performantes. Ça, je le sais. J'ai eu des entretiens avec eux au cours de ce pèlerinage sur les routes nouvelles. J'ai en tête que en 2010-2011, il y avait eu un projet de partenariat entre l'État et les établissements privés. L'importance de l'éducation nationale est telle que l'État doit être présent à la fois dans le secteur public et sous des formes à concevoir dans le secteur privé. Il s'agit de l'éducation nationale. Que vous soyez d'une école privée ou d'une école publique, la base fondamentale, c'est la nation béninoise et donc l'État doit être présent. Évidemment, dans ce partenariat, mais il faut s'asseoir. Il ne s'agit pas de prendre en charge tout, mais je sais qu'il y a des manières de faire. Ça existe dans d'autres pays de la sous-région. D'accord. Il faut s'en inspirer. D'accord. Pascal Yannick Koupaki, vous avez à peu près 1 minute 30 pour parler aux Béninois, aux électeurs béninois, et profiter pour présenter une fois encore votre positionnement sur le bulletin unique. Je vous remercie. Si vous regardez la démarche qui a été empruntée pour élaborer le projet de société, vous allez tout simplement constater que cela n'a pas été fait in vitro. C'est l'expérience du terrain et l'expérience administrative qui nous ont permis d'élaborer ce projet. Tous les problèmes évoqués par les Béninois sont dans ce document. Et les solutions pour y faire face sont également dans ce document. C'est comme si vous aviez un moteur qui a besoin d'être rechemisé ou des pièces ont besoin d'être changées. Et les 100 pièces nécessaires pour changer ce qui ne va pas dans le moteur sont dans ce projet de société. J'ai compris que je suis le mécano en chef de ce garage-là et que je suis en mesure de changer. Donc, l'orientation que nous avons prise est une orientation de rupture qui permettra demain d'avoir
zéro tolérance pour l'impunité, zéro tolérance pour la corruption, zéro tolérance pour les concours mal organisés, zéro tolérance sur les comptes valeurs. Et donc je dis qu'il faut apprendre pour être entreprenant et pour être innovant. Donc j'invite le peuple béninois à être attentif à ce qui va se passer dans les prochains mois dans notre pays. Pour le logo, je redis encore que vous avez le sourire du candidat Makanjo Pascal Irénée Koupaki, c'est son portrait. Vous avez aussi le logo du rassemblement Nouvelle Conscience, qui est la synthèse entre la tradition et le moderne. Et votre position sur le Ma position sur le bulletin, je disais tantôt que je me retrouve dans le premier tiers du bulletin, à la dernière ligne, et ceci c'est bien Pascal Irénée Koupaki, avec le logo de la Nouvelle Conscience, et tout est en jaune. Un jaune de bonheur, de sagesse, de prospérité, d'abondance et surtout d'espérance. Merci à vous Pascal Irénée Koupaki. Et chers téléspectateurs, vous avez suivi, je sais qu'en 2 minutes durant, en compagnie de Pascal Irénée Koupaki et de Ogoshi Dankone et de moi-même, les idées fortes de ce candidat à la présidentielle de 2016. Merci et bonne soirée.